aujourd'hui, il peut s'y battre dans Yango. De l'eau Kagame, à Kangami na piège na Yemoro na Luanda. C'est pour vous que Tshisekedi a yébaki qu'est-ce qu'il faisait. Parce que Kagame pensait qu'il est plus malin que Tshisekedi. Tshisekedi a roulé maintenant la farine. Kagame aujourd'hui, il a animé à sa porte. 800 000 morts dans Rwanda, babé yango génocide. On comprend. Mais pour 10 millions de morts dans le Congo, jusqu'alors, aucune organisation internationale ni régionale en parle. Bonjour, Mwana Mboka. Bonjour, messieurs les journalistes. Mwana Mboka, vous êtes partout dans Nintendo Iker et la TV na Bango, le téléphone na Bango, Mwana Mboka. Peut-être que vous avez vu, et vous peut-être que vous avez vu, peut-être que vous avez vu, peut-être que vous avez vu, si vous vous présentez pour la bonne compréhension, Mwana Mboka. Oui, comme vous avez vu, monsieur Marcel Kamani, je suis le président et le sénateur debout. Voilà en bref, moi, présentation à vous. Merci beaucoup, président Marseille. Zali Moko, sénateur debout, président aussi. Mon Mboka, tant que vous êtes sénateur debout, toujours une vision à la parlementaire debout, mon Mboka. Bonne sur ce parlement debout. Depuis vos yeux, Moukano, il y a ministre, il y a intérieur, maître Daniel Assel, aussi, qui interdit la manifestation, il y a Souza, mon Mboka. Personnellement, cette décision, je ne suis pas d'avis avec ça. C'est d'abord en violation de la constitution de Mboka Nabiso. Ozoloko restreindre la liberté à Batu. Je pense que moi, je ne suis pas d'avis dans la décision de Mboka Awa, parce que l'IDP, c'est Bundagi pour la démocratie, la liberté d'expression. Mais tant qu'on interdit Mboka, on vendre, on réfléchir autour de la question politique à Mboka Nabango, et comme déjà, qu'on restreindre la liberté à Batu. Ils sont d'abord contre, d'abord même combat au IDP Sebunda qui pendant 37 ans, il y a liberté d'expression dans la démocratie dans le cannabis. Mamboka, mais tout ce que tu as dit bien dans la déclaration, il y a un Mamboka, maître Daniel Assel, le ministre intérieur, ce que vous avez dit, c'est la mesure sécuritaire, afin d'avoir une sécurité, il y a un Mamboka, parce qu'il y a un Mamboka, il y a un Mamboka, il y a un Mamboka, il y a un Mamboka, président Marseille. Ce que tu as dit, une décision sécuritaire, il fallait interdire la manifestation politique, la partie politique, mais pourquoi il a laissé la partie politique évoluer normalement? Ou interdire le parlementaire debout. Moi, je pense que c'est pour moi, la monique raison en a vraiment fondée. Vous comprenez? Vous allez que vous même IDPS, l'âme de l'IDPS. Parce que l'IDPS, il vient dans le parlement debout. Vous allez lancer des fers et à partir de l'IDPS à l'opposition. Aucun président, autre manière qu'on traite le dictateur, il y a un interdit le parlement debout de fonctionner. Boni boni, l'IDPS n'a qu'à pouvoir. Bas à mesure telle que le Parlement devait fonctionner et sous-souter. On les a comme ma partie. Parce que c'est le Parlement de Bounetam ou Sarah IDPS. C'est l'âme même de l'IDPS. Le Parlement de Bounetam ou Sarah IDPS n'a pas de diffamation. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il faut que je me dise que dans le temps, l'IDPS a accès aux médias. Il faut véhiculer un message, une vision à l'IDPS. Il y a un Parlement debout. De bouche à l'oreille. Il y a un Tambousaki. Côté à Batou, vision à IDPS, vision à Emoko Sphinx délimité, et ça qui parlement debout, oh lelo, oh yo, bazo l'oukaba boumango lelo. Pendant que l'IDPS, na outre l'oubano, awa, et ça qui parti démocratique. L'IDPS est dépendant de la valeur. La valeur comme telle, la liberté d'expression, démocratie, la valeur au IDPS et Bunda, pendant plus de 4 décennies dans le cannabiso. Ce n'est pas aujourd'hui, lelo, parlement debout comme un danger pour la pouvoir à IDPS. Moi, je pense que c'est contradictoire. Mais ce que mon amendement, il membre de l'IDPS, le bureau, c'est pour valider la décision, et il va prendre acte, même il s'agit d'un secrétaire général qui sait qu'il va prendre acte, il y a décision dans mon amboka. Oui, l'IDPS est un parti démocratique. Avis à secrétaire général des alliés en Haïti. Tu dois réfléchir, mais son dernier mot côté. On comprend. Nous sommes tous politiques, tu dois réfléchir en termes politiques. Vous comprenez? Qu'on interdit le Parlement debout, pourquoi le Parlement debout? Moi, je pense que ça allait être mieux à Pékissa, à l'activité politique, à tous les partis politiques dans le pays. Parce que certains partis politiques vont se réunir jusqu'alors, vont se réunir. Pourquoi seulement le Parlement debout? Pourquoi toujours cibler le Parlement debout? Là où moi, je vois qu'il y a un problème, il y a l'anguille sous roche par rapport à cette décision.
Merci beaucoup, président Marseille. Tu reçois un dossier, tu mets ta dossier, tu as dit, oh, tu as dit, résolution, il y a un mini sommet, il y a Luanda, oh, bah, il y a un chef de l'État, fait dans le temps, il s'est dit, c'est que tu as un bon cas, il y a un bon cas, il y a un bon cas, la République démocratique du Congo. Tu reçois un dossier, oh, tu as dit, situation pays à l'Est, il y a un dossier qui s'est passé momentanément parce que plusieurs sites, ils ont toujours. Contre les bagages rebelles, tu es dessus de la Kimi, tu vas aller les mêmes placés, et tu vas aller les plusieurs sites sont contrôlés par Baki. Peut-être que le bas de Tali, mon amboka, au lever comme ça, tout sorti médiatique, n'a pas été le aussi là pour boycotter vote et le training pratique pour inviter Mouhibi à pouvoir en place. Tu vas aller les mamans, livre l'aimé, ou à se prétendre, vous êtes candidat président en 2023, c'est le bas. Qu'est-ce qui ne va pas être la République démocratique du Congo Monamboka? Tout ce qu'on dit que détail du Parlement de Monamboka, il y a un lobby qui parlement de Bouba, il y a un cadre de chez les Kimini, trop, la diffamation Monamboka, qui est l'autorité de l'État Monamboka. Et en gros, ce qui est interdit, c'est interdit. Non, l'IDPS est parti aujourd'hui défendre la valeur. Je ne pense pas un combattant de l'IDPS, où il y a aussi vraiment la carte de l'IDPS à côté de l'IMA, pour finir l'autorité en Boka. Non, je ne pense pas. Mais au début que tu as un boka oyo, les médias sont commis à la portée de tout le monde. Mouta rejoint la caméra, il parle au nom de l'IDPS. Et Moussou peut être ali, membre de l'IDPS, ni combattant IDPS. Comme je vois beaucoup de gens aujourd'hui passer dans les médias, dans l'IDPS, tu es bien, tu es même pas dans le Parlement debout. Mais ils se sont fait aujourd'hui communicateurs à l'IDPS. Moi, je comprends. Mais un vrai combattant à l'IDPS, à défendre la valeur, il n'est pas en aucun cas qu'on finisse l'autorité en Boka, ni encore qu'on côté la mambaye, c'est-à-dire diffamation. Merci beaucoup, tout ce qu'on a monté dans la résolution, on est allé au ministre sommet à Luanda, on a dit qu'on 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 a lamenté, qu'on a dit 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 Rwanda la qualité de qui on a beaucoup le bain beaucoup zaki mais comme le gars qui n'a qu'à tirer sommet Rwanda mon amour. Mais c'est le journaliste, les trains de la paix na Congo ils ont déjà en marche, en déplaise aux inconscients qui ne comprennent pas les démarches de son Excellence Félix Tshisekedi. Moi je pense que sommet on a d'abord zaki une victoire diplomatique pour la RDC. C'est la première fois que Kagame Andy Makazala qui porte parole il y a M23. C'est au cours de il y a sommet on a. Mais moi, je pense que Kagame, qui n'y est autrefois qu'il y est, Azali, ni de loin ni de près, ravitaire, il y a M23. Mais il est allé là-bas représenter M23 comment? Il est allé poser sa signature dans la feuille de route en tant que la qualité à Nan. Voilà, aujourd'hui, on comprend que Félix Tshisekedi dit Azui Kagame na contre-pied. Kagame, maintenant, la minute, Oyo, Abimi na face, il y a un monde entier que c'est lui qui agresse la RDC. Tshisekedi a démystifié le Kagame. Au vie aussi de tout le monde, à travers sommet on est à Rwanda, en déplaise aux flatteurs, en déplaise aux détracteurs, il y a Félix Tshisekedi. Oh, bah, je comprends, ma camoufle, il y a sens, moussous, parce que bah, ça va avertir la politique. Nous qui comprenons la politique, c'est un échec, il y a Kagame, Lelo Kagame, avant d'être nié, implication, direct ou indirect, dans le mouvement M23, Lelo Bimi Polele, qui est dans la armée M23, parce que comment il est allé poser sa signature dans une feuille de route, Oyoye, Azali parti prenant la guerre Rwanda. Moi, je crois, Azali, victoire diplomatique, il y a Félix Tshisekedi. Oh, il y a même qui Kagame na contre-pied. Lelo a joué na Mutambu. Lelo ba oh, je dirais Kagame va comprendre que non, Kagame a révisé Bissot. Kope Koufi. Parce que le seul même niveau, je dirais Kagame, et comme il y a une contradiction entre Bango, certains vont commis qu'on lâche Kagame. Parce qu'il va comprendre que Tshisekedi a mettre Kagame à nu. On comprend. Lelo Kagame, Lelo, il a avoué que Yende armaka M23. Mon amboka Kagame armaka M23, mon amboka parce que le chef de l'État c'est que t'es amboka na bakora c'est que c'est na Paul Kagame. Mais Kagame juste à qui ne juste à Paul Kagame juste à qui me bombarde toujours comme mot malgré tout le monde qui sait la qui ne bombarde comme mot. Mais en dehors des bombes menacées à quatre corps on a senti au Kagame signé. Congolais Azassou député mais c'est les journalistes. Congolais Azassou c'est inconscient comme hier. Congolais a commis le loi comprendre les politiques en Boka na Bango à travers diplomatie au Tshisekedi a élibison en Boka oui. Tshisekedi n'a signé aucun accord avec le Rwanda. Peut-être de ma mémoire courte. Batou ba signé accord na Rwanda, c'est-à-dire régime passé. Régime sanguinaire à 18 ans. Bazo Bosana. En commençant par le M23, SNDP, M23.
les accords il y a M23 au date du 23 mars 2019. À l'époque Mujutu premier ministre bazobosana. L'accord au basinya pour na koteka mboka na biso. Vous comprenez? Et yaki parmi l'accord au yaki kobak sa sou koteka mboka oyo, orimu oyo yaki signé avant par Kabila le père. Tu sais que tu n'as signé aucun accord avec le Rwanda. Vous devez comprendre que Tshisekedi, c'est un fin politicien. D'abord, en Afrique ici, la solidarité africaine, on s'appelle des frères. Il y a pas de, il y a grève naka tu vois non. Il y a que des inconscients, des choses vraiment graves. Nous sommes des frères, nous sommes appelés à vivre ensemble avec le Rwanda, parce que nous sommes un pays voisin à vie. Vous comprenez? Tshisekedi, alingaki koteya Kagame ke, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous avons tout intérêt, il y a Koluka Kimia entre nos deux peuples. Malheureusement, Kagame n'avait pas compris les marches Wana. Il a pensé que Tshisekedi était toujours si naïf comme ses prédécesseurs. A Kouroulé Tshisekedi. Aujourd'hui, Yemoko a rattrapé la piège au Atilaki Félix Tshisekedi. Voilà un peu. Alors, en déplaise aux détracteurs de Félix Tshisekedi, au Bazoluka, par tous les moyens qu'on salue Tshisekedi, malheureusement, Tshisekedi a une vision pour ce pays. Tshisekedi est faible. Na auto ebisa o Tshisekedi a mbaki Kagame pa ebai ke a ina de voler ya politique nai voler diplomatique na voler militaire comme je t'avais dit ici a joati option diplomatique pour faire comprendre à Kagame nous avons tout intérêt à vivre ensemble parce que nos peuples partagent le même frontière. C'est ça. Mais de l'autre côté Tshisekedi former aussi l'armée congolaise. On comprend. Lorsque l'option diplomatique a été entamée, certains l'ont traité de faible. Aujourd'hui, il peut s'y fruit na yango. De l'eau Kagame, a Kagame na piège na yemoro na Luanda. C'est pour vous dire que Tshisekedi, a yebaki, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que Kagame pensait qu'il est plus malin que Tshisekedi. Tshisekedi a roulé maintenant la farine. Kagame, aujourd'hui, il a animé à sa porte-parole, il y a M23. Il faut applaudir d'abord diplomatie à Félix Tshisekedi. Oh, le peut s'y fruit na yango. Oh, il a eu victoire diplomatique dans Luanda. Lelo Tshisekedi a l'acquis à la face du monde qui est Kagame Moutouzalaka derrière le M23. Il faut admettre ça, mon frère. C'est une évidence. Anamboka, vous avez eu une histoire, moi, mon frère. Quand il y a M23, mon frère, beaucoup de M23, quand il y a Pépé Lukati Kongé, il y a un temps où il y a un temps. M23 a changé ma forme. Il y a un CNDP. On comprend? Il y a d'abord RCD. Avec les roueurs. Et ça a déjà un plan bien, bien préparé par les destructeurs de notre pays. Babandi, RCD Gouma. Tant que tu as dit ça en 2003, tu as signé un accord, tu as déversé un militaire, il y a RCD, na quatre armées congolaises. Tu as la place ni infiltration, tu as dit que tu on comprend? Tu as dit que nous sommes plus loin. Entrez dans l'Afdel. Malheur, nous sommes dans l'Afdel. Afdel est côté de l'arabe militaire rwandais. Tout le monde a mboka oyo, chef d'état-major un rwandais, James Kabarebe. Tout a commencé là-bas. Na entrée à Afdel. Et l'ongwewana et guerre ya 98. Il y a RCD Goma. RCD Goma, le régime Kabila est allé sur les accords. Il y a Kondima militaire, il y a RCD. Ba côté na armée loyaliste. Et puis, ba occupé ba fonction, il y a commandement. C'est-à-dire, oh, et ça qui plan moko déjà bien préparé. Bah, c'est là qu'il y a un dessin pour fragiliser notre pays afin de piller nos minéraux. C'est ça les stratégies. Il y a Bangouni en Mboka Nabiso. Il y a la CNDP. Il y a la M23. Le mouvement du 23 mars 2009. Oyo, Mujutu premier ministre. Raymond Tshibanda ministre de la coopération internationale, régionale. Akenda Kosini Bakor Wana, président de Kenya, a tout n'est question. Mais c'est les journalistes. Bakamozo signo Ebi Yangouabi, oui, na Yebi. Madame non signé. Voilà de telles personnes qui font beaucoup de bruit aujourd'hui. Bah, on est à la base à côté Kamboka. Mais avec moi, Namboka Tshisekedi, Olanda qui speech, il y a VPM Nabiso, il y a Affaires étrangères, dans les Nations Unies, Kuna. Le Tundula. Il a été vraiment. Nini na speech, na Nini Kuna. Il a été clair. Alobi, cette recette Oyo date de 28 ans. Il n'y a plus question de mixage, de réintégration. Il y a un mouvement rebelle dans l'armée loyaliste. C'est ça, bloc au cadena. Oh, tu sais que la Tché Kagame. Parce qu'il va s'habituer qu'à chaque fois, on va mettre ça moi, fraction moko ya rebelle au Kuna. Allez, pour que la suite,
va intégrer Batouana, bon qui peut pas fonctionner à l'État, dans les institutions en Boka pour infiltrer notre armée. Et moi, bah le temps où Telly Kamutali entre FDL, moi, d'ailleurs, je suis super parlé par l'idée, parce que pas parlé d'agir entre FDL. L'idée. Par tes paroles, parce que bah porter malheur à payer en Boka. Non, non. Vous devez comprendre d'abord l'histoire en Boka en Abisso. Mobutu a fait 32 ans en Boka, oh, alinga est démocratisé en Boka. L'idée pèse à Bunda qui pourrait démocratiser Mboka Oyo. Toké n'a pas conférence dans la souveraine. Mobutu aura eu toujours été. Il a failli les voir des armes. Il y avait un Congolais à la personne de Mouzé, Azu Manduki, sous la bénédiction de Rwanda, malheureusement. Tant qu'a commis sur le terrain, l'idée pèse comprenant l'histoire de notre pays, a bien à moi en Mboka, Kabila. Pour n'a pas dit que Batu Oena Bango Baba Congolais. Fouta Bango Mbongo, s'il faut Fouta Bango Mbongo, Bakende. Malheureusement, moi en Mboka, Kabila a compris qu'il y a un côté. Il avait fait confiance dans le Rwanda, où il y a un côté qui a mis sous dans l'institution en Boka, écoutant qui est ma bête, avec qu'on s'est ressaisir maintenant dans 98, pour qu'on ait un peu de Rwanda dans Boka, dans Boka. Oh, ce qui est en haut, en son temps, mais nous sommes au pésalité. C'est ça le problème. Parce que l'IDPS avait une vision politique globale à Congo. Il a fait à faire comprendre dans la musée que, Batou, oh, le Fouta, Bango Mbongo, Pesa, Bango Facture, Bango Fouta, toi, tu es au salaire maintenant. Oh, et c'est tout ça pour Mboka Nabiso, et ils ont un rail. Malheureusement, Mouzé aussi avait d'autres agendas cachés pour les Congo. Merci beaucoup, mon Mboka. Tout le monde qui vous a dit, mon maîtrise de l'histoire, à la République du Congo. Tout le monde qui est allé, situation est, et mon Mboka, oh, plusieurs sites, ils ont toujours contré par les baillis rebelles. Jusqu'à maintenant, vous avez d'accord, ils ont toujours contré par les baillis rebelles. Mon Mboka, il faut comprendre que Tshisekedi, à l'Obaki, dans mon Mboka Kagame, il n'a que deux options. Okay? Soit la paix totale, soit la guerre totale. Tu sais qu'il dit, Azo Luka a imposé paix. La paix, ce n'est pas un cadeau pour payer ça on a sani. On impose la paix. Voilà pourquoi tu sais qu'il dit, avant de préparer notre armée pour imposer réellement cette paix. T'as là maintenant sur terrain, comment l'armée rwandaise est malmenée dans le terrain. T'as là maintenant sur terrain, comment les terroristes aiment être malmenés par l'armée loyaliste. Vous comprendez maintenant que Kagame a un langage wana. Il y a guerre. Il y a un Tshisekedi imposé qui est en haut. Vous comprenez? Sauf que Kagame a dit qu'il y a une table de négociation dans Luanda parce que sur le terrain, il y a neutralisé. Autrement dit, comment prouesse à faire des scènes comment récupérer le territoire où ils ont conquis dans M23? Les autres, c'est un territoire de Bounagana. Mais allez, nous sommes déjà dans quelques heures. Bounagana est récupéré par l'armée loyaliste. Parce que Bounagana est déjà encerclé par nos forces armées. Donc, pas plus tard qu'avant-hier, le chef de l'État, avant à le déplacement dans Luanda, a renforcé qui encore davantage les positions à FARDC. C'est pour vous dire qu'il veut, il tient à tout prix qu'on impose paix à l'Est. Que Kimia est réellement, définitivement, la partie Est en Boko Nabiso. C'est ça le problème, mon frère. Donc, ça veut dire, président, que c'est que la zone que vous imposez, paix n'a qu'à être. Bien sûr que oui, la paix doit s'imposer. La paix n'est pas un cadeau européen. Bissoboui, il impose la paix. Azo imposé paix na Kagame na Est. C'est pourquoi mon lelo, ozomo na comment l'armée rwandaise a débandé na Est. Mandou qui nous fait ça, oh, t'as pas pensé que Bambago, mais Mandou qui va vivre, il ne fait pas qui a Kala. Bon, il y a aussi la coquine, avancement, toujours sur avancement. Collègue Mandou qui, oh, bah, il rebelle ça dans Ouassa, Mandou qui a actualité du jour, mais pour vraiment qu'on a pression, ma casse-t-il, va descendre qui a Kala, mais quand même, on sait où ça, les mamans. Mais c'est les journalistes, vous devez d'abord comprendre une chose. Héritage, oh, nous avons pensé ça, Moutouna Moukili, à l'Ibosso, il n'y a pas de bélé. Cause où le faire de ça défendre la cause moko juste. Azo défendre ma belle. Où nzambe a léga ki bango. Voilà pourquoi on a soutien à la population na ye, soutien pe nzambe likolo. Peu importe les armes au Rwanda koya nango, peu importe armes au M23 koya nango, akoutre na armée céleste, na ba armée ya nzambe, yango zo mona prouesse wana faire de ça sala lilo, ya ko botu na ba armée soi-disant sophistiquée na maboko ya banguna na biso. Armée rwandaise. C'est ça le problème. Parce que bah, on défend des causes humoristes. Il faut appeler les choses comme armée Nabiso. Au-delà de l'armement, ils ont une expertise. Mobutu a beaucoup de moyens pour former cette armée. Bakenda, l'académie militaire de par le monde, États-Unis, Banini, Bakenda. Il y a un monde sur le terrain, ils ont démontré de quoi ils sont capables. Moi, je pense que les Rwandais ne feront jamais face à l'armée Nabiso. Jamais. Même par rapport au classement, il y a une armée en Afrique. Rwanda Zalakate. Notre armée était 8e le mois passé. Vous comprendrez que
Rwanda a joué mingi na infiltration. Parce que notre armée était infiltrée. Et on a dit que c'est une possibilité à copier nos minéraux. Mais dès lors que Tshisekedi a mis fin à cette infiltration, il y a un moni Félix Tshisekedi a mettre fin à l'infiltration Oyo, il a dit qu'il y a dirigé pendant 18 ans. Tu peux imaginer dans un pays, Bozalana, 39 généraux rwandais. Allez-y comprendre comment Mbokani Nabiso, na niveau armé, a été infiltré. Voilà pourquoi Tshisekedi, tellement il est un grand stratège. A Kinaki na bango malembe, ya wo yolo Kagame, na ba connexion na ya kati, ezo simba li sou soute, ya wo moni neutralisation ba militaire na ye na kata front par le FARDC. Mwana mboka, yon mboka pe ba zo akize, ba zo ba sur complot international, ya comité international pour la RDC, mwana mboka, lete soukosa d'accord, nga, comme tali embargo RDC, mwana mboka, RDC, si ko wume la mingi mingi ne kambo, tali embargo na mwana mboka, ça fait déjà plus de 2 décennies, 21 ans, 22 ans, oh, République du Congo, c'est un massacre dans la carte Est de la République du Congo, mais silence total sur le niveau international, Mme Mboka. Cela veut dire quoi, Mme Mboka? Même Bissona Yopé, toujours décrit le comportement de la communauté internationale. Il y a un moment où il y a un Oyo, Azamala Mouminga Lingi Congo, Azocha toujours a ni ba plan à Bango. Comment voulez-vous un pays qui est agressé, mais besoin d'imposer un embargo? Hein? Et ça est inexplicable. Vous comprenez, il y a un moment où l'élo, la Russie et la Chine va s'imposer contre l'embargo. Pour ça, c'est inacceptable. Un pays qui est agressé par le Rwanda, mais besoin d'imposer un embargo. Voilà leur complot. Parce que leur complot était que le Rwanda a continué toujours à piller nos minéraux pour mettre les forces étrangères derrière le Rwanda. C'était ça. Les autres moni lelo pour 800 000 morts dans Rwanda, il y a un génocide. On comprend? Mais pour 10 millions de morts dans le Congo, jusqu'alors, aucune organisation internationale ni régionale en parle. Allez-y comprendre. Les autres moni invasion russe dans l'Ukraine, comment les voix se sont levées? Hein? Ba mobiliser même 13 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Mais dans le Congo, plus de 12 millions de morts, silence radio. Voilà une complicité internationale. Contre les Congolais. Les sangs des Congolais crient pendant 20 ans. Ils ont tant là. Personne n'en parle. Silence radio. Na niveau yaba nini, yaba grande puissance ouana. C'est ça la complicité. Malheureusement, Tshisekedi est venu hausser le ton. Aïe maintenant qu'on étale leur complicité sur la place publique. Et là, on a une contradiction entre Bango. Babé ko bête à la mitou. Entre Bango. Même si on a un problème ouana et embargo ouana, l'Union européenne est contre ça. Au moment où la diplomatie est amenée, Bango, confusion entre Bango et la grande puissance. Parce que la complicité de Bango est monani à la face du monde. On comprend? Contre un peuple. Injustice moko contre un peuple. Bon, vendi, silence radio. Pour bon, Marseille, tout ce qu'on a payé, bon, moi, flou mouke, moi, je suis un partenaire États-Unis d'Amérique, un partenaire privilégié. À cela qu'on vote contre pour la République du Congo, Mboka. Cela veut dire quoi? Même moi aussi, personnellement, je suis en coopération avec les États-Unis pour que nous avons un peu d'hypocrisie à l'endroit des Américains, de sincérité. Or, notre président peut se faire confiance. Il a un partenaire privilégié dans l'Abisso. Mais notre pays est agressé. Les États-Unis ont signé contre l'élevé embargo. C'est un paradoxe. Voilà pourquoi je sais que l'Abisso, toi, essaie un peu de réfléchir. Parce que les États-Unis, je ne pouvais imaginer que. États-Unis ont voté contre lever embargo contre la RDC. Alors moi je pense que Ezo Senga maintenant à notre président à revoir un peu. On comprend? Partenariat on a contre avec les États-Unis. Ou Soki et Simbite moi je pense atala ba partenaire Moussous Obako aider biso pour mettre fin réellement à cette guerre qui nous a été imposée injustement. Merci beaucoup, Mme Mboka. Nous sommes tous les membres de la Mboka. Nous sommes tous les membres de l'intervention de Maman Olive Lembe Kabila. Nous allons prétendre que vous allez en 2023. Sauf imprévu, Mme Mboka. Nous sommes tous les membres de la Mboka. Nous sommes tous les membres de la Est République démocratique. Nous sommes tous les membres de la Mboka. Nous sommes la République démocratique du Congo, Mme Mboka. Intervention de Maman Olive, il y a patriotisme. Nous sommes tous les membres de la Mboka. En tout cas, je pense que Maman Olive devait s'occuper de son foyer. On comprend que à ça la caba sorti moko médiatique boyé et ça mala monté. Son mari a dirigé ce pays pendant 18 ans.
Mokoni na conseillaka mobali na ye aluka kimia na est ya Congo. Mokoni na conseillaka mobali na ye atika okoti sa ba infiltré na na kati ya armée na biso. Moi je pense que cette dame est audacieuse. Hein? Elle doit comprendre que les pays allaient bien familial ya ya famille Kabila té. Masalika ki patriotisme té mon mboka Marseille. Il fallait ala ki sa patriotisme wana pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il fallait ala ki sa yango parce que son mari était aux affaires. Elle était la première conseillère à Mobali Naye. Elle devait maintenant que Mobali Naye patriotisme wana à l'égard du peuple qui a fait souffrir pendant 18 ans. Moi, je pense que des fois, silence est vraiment l'âme dans la vie. Parce que la famille Kabila est un modèle dans le monde. Baba modèle est. Pas la place de bâtir le peuple, meurtri. Bâtir le peuple, la souffrance. Et ça cause la gestion de Mobali Naye. Quand elle prend l'audace aujourd'hui à Roupesa Biso, à comme donner des leçons. Je suis désolé. À s'occuper de Nanda Kounaya Mobali Naye. À tika politique, n'a pas politicien. Parce que son mari avait géré ce pays pendant 18 ans. Après ça, il y a un mot dans la partie est et en athée. On comprend. À tika la distraction du peuple congolais. Le peuple n'est plus dupe. Il y a un message, il y a un coup de temps, il y a un peuple congolais. Comme si on a sympathie, on a battu à est. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, je suis un peu comme ça. Je pense que porte-parole, Wana, il en fait des trous. Vous comprenez? Autrefois, à Outi récemment, Awa, Koleka, dans un plateau, il y a chaîne moko étrangère pour na koloko nier implication à Rwanda, implication à Rwanda na agression en mboka na biso. C'est ça la position de son maître Moïse Katumbi. Bato ba prétendre que diriger mboka lobby. Congolais a sous-député. A sous-député. Olivier Kamita tu n'as pas de leçons à couper cette na mboka oyo. Il n'a pas de leçons. Et puis moi je pense que il devait demander à son chef Katumbi, qui prétend diriger ce pays, de condamner le Rwanda et Kagame pour l'agression rwandaise, la Katamboka Nabiso. Si le silence radio, bazo le belo côté. Donc, eux allaient important pour nous avoir pouvoir. Ils ont pouvoir na Kata Congo. Mais bolingi peuple wanate, ils ont souffrir. On les bon dénoncer Rwanda, bon dénoncer Kagame, jusqu'à la silence radio. Voilà les politiciens verrés dans notre pays. Sont déjà les opposants. Oh, bah, l'ingi mboka, t'as l'ingi à pouvoir. Malheureusement pour moi, pour n'en avoir l'élection, et vous allez te. Oh, vous êtes un dictateur, hein? Non. Peuple congolais a besoin de Kimia. On a besoin d'élection, t'es? On a besoin de Kimia. Le quoi de jouer un chef de l'État, oh, ça a souci à cause de sa Kimia dans la partie Est, tout si kaye, à comme on a visionné Tina Souka, à restaurer réellement Pewana dans la partie Est en Boka Nabiso. Vous avez besoin d'élection, mon Boka. Nabiso, tu sais que dans la challenger, t'es dans l'élection 2023. Fayou. Ah. Katumbi. Dans le milieu, Fayoulou, hein, a voté quand on a parti au bazar 12 ans dans la SID. Dans le milieu, il y a un politicien congolais qui a une vision pour Namboka Oti. Un Fayoulou qui vous dit dans un point de presse, a lobby guerre aux Ezali à cause du leadership faible à Tshisekedi. Na c'est qui? Voilà des gens pareils qui prétendent diriger le Congo demain. Même histoire Yamboka Oti a maîtrisé en Oti. Est-ce que guerre Yamboka Oti a parti Esteban à Tshisekedi? Voir de tels politiciens. Bah, on va voter, bah, on va diriger Congo. Mais on a une connaissance, il y a politique, il y a Mboka, il y a un dirigeant lobby. Merci beaucoup, mon Mboka, Marseille. Tu as vu que tu as été invité, il m'a 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 été invité. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99 123. Bah, bah, on a besoin de contacter Bissot, de contacter Bissot dans le numéro, tu as besoin de Bango pour continuer le combat. Il y a un éveil patriotique dans la jeunesse congolaise. Malgré tout, tu as une élection, donc félicitations. Moi, je suis en train de faire l'élection, mais tu as besoin de mettre fin à la barbarie où il dirait pendant 30 ans dans la partie Est en Boko Nabiso. Parce que toi, Est, tu as besoin d'élection, tu as besoin de Kimia. C'est ça le problème. Congolais, tu as besoin de Kimia. Élection il va porter Bissot dans Boko. Mais on a besoin de Kimia. Parce que bateau, on a dirigé Congo Lobby, on a dirigé des Mboka.
Bah l'accès déjà incompétence d'abord sur tous les plans. C'est ça le problème. Bati Kamutwa na vision à Singapour na Congo. On comprend. Bati Kamutwa Tshisekedi calmement. Peuple congolais peut se confiance à mettre fin. Bande de l'abysse est va comprendre le lot que Tshisekedi a souci na Bango. Azo kende, a osala par tous les moyens pour na luka toujours kimia, a luka toujours solution pour mettre fin à la na barbarie au Kagame imposé biso pendant 20 ans est parti est en boka na biso. Élection qui va porter biso qui mena boka haute. Vous comprenez? Attends, au Kimia, les élections viendront après. Donc, il dit que les élections, on a peut-être combattre Bango. Calmement. Parce que les Bosso n'a pas besoin de challenger à Zate. Merci, monsieur le journaliste.